pour l'épisode, pardon, numéro 6 de Summer in Mara. Alors, je suis désolée, j'ai pris énormément de retard pour les let's play de YouTube, mais sur Twitch en ce moment, je suis pas mal sur Medieval Dynasty en live, vu que c'est un jeu qui est sorti récemment. Je vous en ai, vous avez quelques vidéos sur YouTube de présentation du jeu, des mises à jour, etc. Et donc, j'ai pris énormément de retard au niveau des let's play, donc j'essaye de me rattraper. Mais voilà, je n'ai que demain et il n'y a que 24 heures dans une journée, donc c'est assez compliqué. En tout cas, je m'en excuse et on va continuer. On va donc faire l'épisode numéro 6 et on va faire les quêtes qu'on devait faire la dernière fois. C'est parti. Donc on en était resté à... Tu peux ouvrir la carte de Mara sur le menu principal. Alors. Ok, donc on a des nouvelles îles qui sont apparues. Donc sûrement par la quête que nous a donnée la petite mamie du phare. Donc ça doit être à un de ces endroits, ou peut-être ici, qu'il va falloir fouiller, mais bon, on n'en est pas là. Alors, au niveau des quêtes, pop, 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 pop. Donc on doit trouver donc le collier au fond de l'eau dans la zone indiquée par Semi. Parler à Bram, on va voir si on la trouve toute seule. Rendre l'appareil de gain en lui apportant une bouteille d'encre. Mais je crois que... la bouteille d'encre, je ne sais pas comment on l'a fait. Attraper du poisson pour Mayo. Alors, il nous faut un stylo rouge en peinture pour Napopo. Rapporter des lingots d'argent, mais pour ça, on n'a pas encore le marteau. Et préparer une salade et la porter à Taka, ce qui veut dire revenir sur notre île. Alors, est-ce qu'au marché, ils auraient le stylo rouge? Ça nous arrangerait quand même. Hein. Non. Ah, pas stylo rouge. Elle n'en a pas. De l'argent, elle a. Donc, on va voir si on peut parler à la fin. Donc, on va la faire manger. Pardon, excusez-moi, j'avais un peu cassé. Voilà. Alors. Est-ce qu'on peut parler à... Oui. Alors, comment s'est passée la dégustation de ton plat avec ton oncle? Breu. Eh bien, Breu, est-ce que tu lui as donné le plat? Non. Tu n'y arrives pas, hein? Et si ça ne lui plaisait pas? Et s'il détestait? Et s'il me détestait? Il ne va pas te détester. C'est ton oncle. Il est très strict quand il s'agit de cuisine. Ah bon? Tu veux que je lui apporte moi? Tu voudrais bien? Évidemment. Ne lui dis pas que ça vient de moi. Ok. Accepté. Ben, on va aller porter ça à son tonton. Est-ce que vous aimez goûter de nouveaux plats? Je peux jouer les critiques culinaires si c'est ce que tu me demandes. J'ai un palais très fin. Voyons. La pieuvre est un peu ferme. Mais tout le reste est bien. C'est un bon plat. Est-ce que tu l'as préparé? Non, c'est de Bram. Bram? Je ne le laisse jamais cuisiner seul. Mais il m'a surpris.
Il ne m'a jamais fait goûter ses plats. Alors, ça vous plaît? Eh bien, c'est pas mal. Dans ce cas, vous devriez le lui dire. Tu as obtenu une nouvelle recette, la pieuvre à la galicienne. Ok. Bon, est-ce qu'il faut qu'on reparle à... Au bout du compte, ce n'était pas si mal, pas vrai? En effet, on dirait que mon plat lui a plu. Mais maintenant, il me donne plus de choses à faire. Comment ça se fait? Il s'avère qu'afin de devenir, c'est un peu fort. Il s'avère qu'afin de devenir cuisinier, je dois d'abord apprendre à faire beaucoup de choses. Il m'a demandé de placer des torches le long du chemin vers la plage. Oh là là, je crois qu'il me faut des matériaux. Tu veux bien m'aider? Alors, tu as obtenu une nouvelle recette du tissu. Va ramasser du bois, pardon, et récupérer des vêtements pour que Bram puisse faire des torches. Ok, donc ça, il faudra qu'on revienne à notre atelier pour ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Le crayon, on l'a pas. Donc, ça, c'est sur notre île. Préparer la salade, c'est sur notre île. Napopo n'a toujours pas le stylo rose. C'est assez ennuyeux. Et la bouteille d'encre. Je ne sais pas où je vais trouver ça. Pour faire l'encre, il nous faut une bouteille et un calmar. Hein. Je ne sais pas où on pêche le calmar. J'ai zappé complet. Alors. Chaque fois, il veut nous croquer les pieds, lui. On va prendre l'appât. Est-ce qu'ici, non. Ici, on peut pêcher quoi? Je ne sais pas. C'est pas ce qu'il nous faut, en tout cas. Puis vous savez que je suis très douée à la pêche, hein, c'est pas gagné. Hop. On le mettra à la poubelle. Hein. Peut-être sur la plage. Par contre, l'encre. Je suis un petit peu coincée au niveau de l'encre. Ils en vendent pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Oui, merci. Qu'est-ce que tu vends? Tu n'en vends pas par hasard. Non. Elles non plus. Elles, c'est du poisson. Et elle, c'est des graines. Est-ce qu'on aurait la recette pour faire l'encre? Oui, on a dit un calmar. Moi, ma mémoire. Alors, un calmar, ouais, mais je sais pas où on le pêche, hein, le calmar. Il y a un point de pêche là-bas, mais je sais pas du tout. C'est là qu'on va choper le calmar. Par maintenant. De loin. Prendre l'appât.
ramasser le coquillage. Il n'y aurait pas un autre. Oh, des déchets partout. Son cochon. Il n'y aurait pas un... le lac, le petit lac peut-être, où on pourrait pêcher le calmar. Hop. Toi, t'évites de me croquer les pieds. Ils mettent des déchets partout, les gens. Je crois que je suis trop loin du... Il y a un campement normalement. C'est dommage qu'on ne soit pas sur la carte. Campement près de chez Onzo là-bas. Et Onzo, je sais pas, on l'a pas vu depuis un moment. Il vend quoi là? Du papier, des libellules et une longue vue. Ouais, bah rien qui m'intéresse. Rien du tout qui me plaise. Je vais regarder quelque chose. Là, je peux prendre des petites fleurs comme ça. Je sais pas, ça peut servir. Ok. Je sais pas pour le calmar ici non plus. Par contre, je crois que ça on l'a dans la quête. Hein. Hop. Il me semble que c'est la bébête qu'elle veut, elle. Le poisson-chat. Ça a l'air d'être ça. Bah écoutez, on va essayer. Ah, le jeu que je déteste. Un poisson-chat. Ok. Et combien elle en veut? Deux. Je peux encore repêcher, oui. Ah non! Non! Oh, Vous voyez pourquoi je déteste la pêche dans les jeux? J'ai pu avoir d'appât. Voilà, j'ai plus d'appât. On en a qu'un. Bon, c'est pas grave. On a déjà trouvé. C'était quoi ce bruit? On a déjà trouvé où faire ce petit lapin. Où faire le poisson-chat. Par contre, le calmar, je ne sais pas du tout. Et ce qui m'embête un peu, c'est de repartir. On va passer la nuit à l'hôtel. Et s'il n'y a toujours pas au marché, on va aller jeter nos détritus. S'il n'y a toujours pas au marché le crayon, ben on repartira sur notre île. Hein, voir ce qu'on peut faire là-bas. J'aime beaucoup l'animation de la poubelle. Ici.
Non, il n'y a plus d'appât. On va la faire dormir. La journée passe très vite. Et j'espère qu'on pourra trouver ce fameux crayon rose. Alors, on va aller voir si au marché, elle a changé ses crayons, la madame. J'espère. Non. Toujours pas. Mais peut-être qu'on peut acheter plutôt que s'embêter. Pour la quête, on peut peut-être acheter. Ah oui, mais il va falloir que je le fasse. Il nous faut du bois. Ah, on a le puits. On pourra se faire un puits, un pot de fleurs, le poulailler, les clous, le feu, les barrières et la poubelle. Ok. Donc là, on a nos nouvelles tenues. Ah, elle est sympa avec ça. Non. Petit sac tortue. Non, avec celui-là, ça va. On n'a pas débloqué de t-shirt encore. Ok, c'est pas ça que je voulais voir, mais bon, ça a permis de le voir. Donc je disais, pour l'encre, voilà, là. Il y avait l'encre et il y avait là. Il me faut trois tissus. Donc il faut que j'en achète. J'en ai acheté deux. Hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Cuche. Deux. Ah mais non, je peux pas. Un le tissu, on s'embête pas. Et pour faire du tissu, il me faut du fil. Trois fils pour faire un tissu. Pour faire du fil, il me faut du coton, le truc qui s'arrête jamais, quoi. Donc. Du fil ou du coton, qu'est-ce qui revient moins cher? Apporte ça au vieux nono. Nono, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il te faut? Ne joue pas aux devinettes avec nous. Il faut dire s'il te plaît et merci. Merci. Maintenant, apporte-le lui. Bon, d'accord. Ok, donc je vais apporter ça à nous. Mais. Donc, qu'est-ce qui revient? Ben, le coton, hein, ça revient moins cher. 24. On prend 3. Donc, nous.
Je crois qu'on va pas avoir le choix de partir sur l'autre île. Et Uno. Non. Non, j'ai quelque chose pour vous. Montre-moi ça. C'est de la part des dames du marché. Mais c'est... Elles sont vraiment méchantes, hein. Qu'y a-t-il? C'est un paquet de cartes. Elles se moquent de moi. Comment ça? Vois-tu, dans ma jeunesse, j'étais un grand joueur de cartes. Personne ne faisait le poids face à moi. Jusqu'à ce que ces femmes arrivent sur l'île. Bon sang, elles jouent comme des démons. Elles m'ont plumé. Maintenant, elles se moquent de moi dès qu'elles en ont l'opportunité. Je vois. Nous devons vous venger. On va leur apprendre. Tiens, pourquoi me donnez-vous un œuf? Contente-toi de suivre la recette que je vais te donner. On va leur apprendre. Ah, il m'a donné des œufs. Tu as obtenu une nouvelle recette, une soupe aux champignons. Apporte cette soupe de champignons à Pini, Mini et Tini. D'accord, faut que j'en fasse trois. Donc je suis obligée de repartir là-bas. Si ça va m'énerver, les allers-retours. Donc on va essayer de tout faire là. Est-ce qu'on a des appâts ici? Apparemment, non. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'appât. Ici, c'est des appâts libellules. Donc, non. Après, elle a fait un petit peu. Alors, F, on va m'en faire carotte. Après, ça m'embête qu'elle ait toujours pas le stylo rose. Non, toujours pas. Vous êtes méchant. On peut casser là? Il me faut un meilleur marteau. Ouais, j'ai pas débloqué le marteau. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi il me dit ça, lui? J'ai pas de quête avec lui pourtant. Si je regarde, non, il n'y a pas de quête. Avance les quêtes de Koa pour continuer. Bon, ben on va prendre, je pense, le bateau. On va aller voir s'il y a de... On peut pêcher du poisson. Ben non, il n'y a pas d'appât. Non, il faut qu'on attende. Donc on est bon pour un aller-retour. Allez, on repart sur notre île. Ah, j'avais changé de sac à dos, ça l'a pas pris en compte. Allez, bon, bah, il n'y a toujours pas les crayons. Est-ce qu'il en vendrait? Est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend lui? Non. Bonjour. Ok. Toi, tu ne m'aides en rien. Et toi, je peux juste te parler. Ok. Bon, ben on repart. Hop. Donc on va aller sur notre île, on va essayer d'avancer les quêtes qu'on nous a demandées. Notre petite île, nous sommes de retour. Hop là, je suis violente. Si j'y vais en crabe, vous en pensez quoi? Non, 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 non. Annulé. J'ai toujours eu mon problème de... Est-ce que tu veux commander une remorque? Non, non, pas du tout. Je voudrais simplement que mon bateau aille où je veux qu'il aille. Hein.
Je suis vraiment pas douée avec. C'est pas en français le clavier. Ok. Est-ce qu'on a du calamar? Non, je pense pas hein, qu'on ait du calamar sur notre île. Hein. Je sais plus où j'avais vu le calamar. Bon, on va voir ici qu'est-ce qu'on a comme prendre. Qu'est-ce qu'on peut pêcher ici? Non, ça on n'en a pas besoin. Elle. Elle nous dit rien. Évidemment, elle n'a pas son stylo. Alors avec ça. Donc on va ramasser. Alors, on pourrait planter peut-être. Et pourtant, j'ai pas acheté des graines de coton, non? Non. Ouais, il me faut un marteau, mais j'ai pas le. Alors, outils, donc. Donc on n'a pas le calamar, les rames on n'en a pas besoin. Pardon, excusez-moi. Du tissu. J'avais bien acheté du coton. Hein. Oh non, il me manque du fil. Oh non! J'ai pas pris assez de fil. Et je n'ai pas de coton, bien sûr. Donc dans l'atelier, on y a été. Au niveau de la cuisine, donc soupe, on doit faire la salade. Et la soupe aux champignons, il nous faudra acheter 3 champignons, alors, un marron et un rouge. Une dent rouge, oh là là, c'est là-bas. Ok. Et l'encre, j'ai pas. Hein. Alors, cuisine, on a vu. On peut se faire un jus d'orange. Ok, ben là on a tout fait. Hein. Donc, on va manger. Voilà. Et puis, ben alors là, j'aurais fait l'aller-retour pour rien. C'est assez embêtant cette affaire. On va peut-être casser les pierres, histoire de pas être venu.
Rien. J'en ai oublié un ici. Voilà, on a rempli le réservoir. Donc, au niveau des quêtes, alors, on va ramasser du bois et récupérer des vêtements pour que Bran puisse se faire des torches. Oui, mais j'ai pas assez. Rends l'appareil à Degen en lui apportant une bouteille d'encre. Apporte cette soupe de champignons à Pini, Mini et Tini. Donc, il faut que je reparte chercher et acheter les champignons de l'autre côté. Super, tout va bien. Je vais regarder, mais je pense pas qu'on ait les calmars, des petits coquillages qu'on peut revendre. Hop. Bah, histoire de pas être revenu pour rien, quoi. Tu me croques pas les pieds, toi, hein? Le copain. C'est un calmar, ça, non? C'est pas un calmar, ça. Il me semble pas. C'est un poulpe. Où je vais voir ça ici. Non, le calmar, il est comme ça. C'est un poulpe. Hop. Ah oui, parce qu'il va falloir quand même qu'on se fasse un peu de sous pour échanger là-bas. Ils m'ont mis au dodo. Excusez le bruit, hein, mais voilà, j'ai une vie sociale aussi. Oui. Donc on va la faire dormir. Ok. Ben écoutez, je vois pas par repartir. Partir là-bas. Hop. Donc, il me manque du fil. J'arrive absolument pas, je plaisante vraiment pas, à manipuler ce bateau.
Il y aura un petit système de téléporte. C'est bien, mais après, j'arrive pas du tout à le tourner. C'est une horreur. W. Si je fais... Non, voilà, c'est bon. On va pas chercher plus loin. On peut sortir du bateau, c'est déjà pas mal. Alors, hop. Donc, il me faut champignons et fil. Et le stylo. Ah, toujours pas, hein. Alors, combien il me faut de... Pour faire un fil, il me faut 2 cotons. Est-ce que je peux le faire de... Non, il faut que j'ai l'atelier. Je pense pas. Ah, il m'a donné les champignons. Ah non, elle vend des champignons. Elle n'en a qu'un seul. C'est fait exprès pour m'embêter ou c'est quoi le problème? Alors. Ah, je l'ai bien sélectionné, hein. Mais ça s'est pas mis. Donc, pouvoir faire ça, faut que je revienne à l'atelier. Non, mais c'est l'enfer. Ils veulent ma mort. La soupe aux champignons. Il me manque un champignon marron et 2 champignons rouges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre? Les coquillages. Et c'est tout. Le cuivre. Qui c'est qui vend des champignons? Germe de blé, sucre, farine, navet. Ok. Elle a rien d'autre, hein. Non. Je sais pas. Je vais regarder.
Ah, il faut que j'apporte ma salade à Taka. Écoutez, je sais pas, au marché, là, il n'y a rien. Graines de citrouille, des vers à soie, non. Il n'y a rien. J'ai déjà zappé qu'il faut que je ramène ma salade. Alors, eh bien, c'est pas mal. Tiens, prends cet uniforme. À présent, tu apprendras aux côtés de Brahma. Bonjour. Ah, depuis combien de temps es-tu ici? Longtemps. Un uniforme de cuisinier. C'est original. Et comment les choses se passent-elles avec Awan? Je ne le connais pas et je ne souhaite pas le rencontrer. Pourquoi? Il voudrait devenir un grand cuisinier, tout comme vous. Je ne veux pas devenir un grand cuisinier. Je veux devenir un maître cuisinier, tout comme mon père et ma grand-mère avant lui. C'était de grands maîtres Kidos. Eh bien, pour un maître, votre tablier est tout le temps sale. Ce n'est pas une mauvaise chose. En plus, vous n'en avez qu'un seul. Jeune élève, apporte-moi du coton et du fil. Je vais me fabriquer un nouveau tablier. À vos ordres, maître. Bon, ben, on va lui donner. C'est tout ce que vous aviez besoin? Parfait. Maintenant, je pourrais toujours avoir un tablier propre. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu peux... Bon sang, j'ai encore sali mon tablier. Ce n'est pas croyable. Bref, prends ça. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Rien qui m'aide. Quoi, Bram m'inquiète? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'aime pas mes palourdes marinières. Oh mince! Mais ça ne me semble pas si terrible que ça. Comment ça, pas si terrible? C'est un de mes meilleurs plats. Je peux aller lui parler si vous voulez. S'il te plaît. Demande à Bram pourquoi il n'aime pas les palourdes marinières de Taka. Bram, ton oncle m'a dit que tu n'aimais pas l'un de ces plats. C'est que je n'aime pas du tout le goût des palourdes marinières. Je préfère préparer des desserts. Comme de la gelée. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, c'est un plat vraiment amusant. Est-ce que tu peux l'apporter à mon oncle? Juste pour voir si ça lui plaît. Mais il est juste à côté. Je n'y arrive pas. Bon, d'accord, je m'en charge. Ok. Donc on va faire entre tonton et la nièce et le neveu, on va faire que ça. Qu'est-ce que tu as là? De la gelée. C'est encore une création de Bram? Voyons. Eh ben, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ainsi que cuisinent les maîtres. Est-ce que vous servirez ce dessert à votre buvette? C'est un établissement. Tu as obtenu une nouvelle recette de la gelée. Ça ne me dit pas. Ne m'embête pas, je dois m'occuper de mon établissement. Donc là, on aurait fini. Alors. S'il te plaît, quoi, n'oublie rien. Ouais, donc là, on a 6. Voyons voir. Donc en fait, il faut que j'aille. Il me manque 2 tissus. Du bois, j'en ai sur la carte. Enfin, sur l'île. Et. Pourquoi tu veux pas mettre le petit sac? Voilà, c'est très bien. Pourquoi tu veux pas? Ah, elle a un joli petit t-shirt là. Cul. Ah, elle est mignonne comme ça. Ok. Donc, on a un problème avec le fil. Pour ça, il me faut du coton. Deux cotons pour faire un fil. Et le tissu, il me faut 3 fils.
Faut que j'achète du coton, en fait. Est-ce que je vais avoir assez de sous? Là est la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y aurait pas des choses... Oh, les crayons! Acheter du crayon. Bien sûr qu'on l'achète. Ah, oh, zut, ça ferme. Mince, j'ai pas pu le voir. Ok. Donc, au niveau des quêtes, il me faut donc le tissu. Ouais, il faut que j'achète du coton, quoi, en fait. Hein. Où va-t-on? Mais... Du coton, ben, on va en prendre 3. Acheter. Tu vends rien d'autre? Non. Et je peux pas le faire de là. Ça m'arrangerait. Non, ben non, faut que je le plante. Hein. Champignon, j'ai qu'un champignon. Et j'ai pas de champignon rouge. C'est un petit peu embêtant. Pas de champignons. Cuf. Lui, va. Graines de tournesol, citrouille. Non. Graines de poivron, de maïs, de laitue, de blé. Ah, j'ai personne qui vend des champignons. Comment je vais faire? Ça va être une énigme cette affaire. J'ai toujours ce problème de marteau. Bon. On est un petit peu coincé, hein, là. Faudra qu'on regarde, je me rappelle pas ce qu'ils vendent. Lui, carottes, laitue, coton. Des oranges, des oignons, des patates et des tomates. Hein. Pourtant, on n'a pas besoin de tout ça, non. Bon. Et on n'est pas fatigué pour une fois. Oh mince, je suis tombée. Pourquoi elle veut pas... Non, elle va mourir. Ok. Je voulais pas passer par là en fait. Et où je peux trouver ces champignons là? C'est en garde, il manque bien. Hein. Là, on a deux. J'espère qu'on a assez. Mais on sait qu'il y a de gagne, il est là.
Attraper le poisson. Il en faut trois des soupes en plus. Hein. Rapport des lingots d'argent. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas le. Oui, je veux bien. Le problème étant que je n'ai pas le marteau qu'il faut. À moins qu'il faille que j'achète de l'argent au marché. Atteste, hein. Qui c'est qui va de l'argent? Mais j'ai pas la recette pour faire le lingot. Métal, non, j'ai pas la recette pour le lingot d'argent. C'est un problème. C'est un problème. Je tente d'aller voir si on peut pêcher au petit lac. Hein. Ou si le poisson n'est pas revenu, j'ai un doute hein, de ce côté-là. Ah si, je peux pêcher. Oh non, elle a pas de fil pour ça. Bon, eh bien on est bloqué, il nous reste plus qu'à, oh là là, qu'à revenir sur notre île, planter le, enfin faire le fil. Oh là là, quel que d'aller, mais que d'aller venu. Non, non, quoi? Non. Bon, on va la faire dormir à l'hôtel. Hop. Voilà. Il me ruine, hein. Il me ruine. Alors, et on va aller voir la petite boutique en bas, ceux qui vendent. Parce que ces champignons, là, je les ai pas pour faire la soupe, là. Hein. Ah, c'est pas ouvert? C'est fermé, ouvert uniquement de 10 h à 16 h. Quelle heure est-il? On voit pas l'heure. Hein. Non, on voit pas d'heure. Hein. C'est bizarre ça. Bon, ben je ne sais pas comment je vais faire. Je vérifie un hein, coton orange. Hein. On va acheter du coton. On n'a pas de. Vraiment, ces champignons là, ça me. Laitue, coton, patate, tomate. Hein. C'est toujours pas ouvert. Hein. Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Donc, on avait le crayon, le masque de plongée, une miniature de bateau, des crevettes et du verre. Il vend pas de champignons. Bon. Et au marché, ça m'inquiète quand même qu'il n'y ait pas de champignons. À moins qu'on ait besoin d'aller se balader et de les trouver. Sinon, je ne vois pas trop comment me planter des champignons si j'ai pas ce qu'il faut. Alors, revérifions hein, quand même. Hein. Alors, récupère des vêtements pour que Bram. Donc, on a un tissu sur trois. La soupe aux champignons. Alors, non, une seule. Apporte cette soupe de champignons à Pini Mini.
Mais je l'ai pas. Et donc il manque deux champignons comme ça. Et deux champignons rouges. Je vais pas inventer les champignons. Si on m'en vend pas. Il faut à tout prix que je revienne à l'atelier en fait. Est-ce qu'en se baladant ici, on trouve des champignons? Ben, on va tester, hein. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Elle, je pense pas qu'elle fasse du commerce. Allez, Cola, arrête de faire l'imbécile, je suis la seule à avoir le droit. Ok, je vois pas de quoi elle me parle là, mais bon. Mis à part ramasser des champignons ici, je vois pas trop. J'en ai pas vu. Bon, on peut pêcher. Ah non, c'est vrai, elle a pas le fil. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y aurait des champignons lui, il en a pas. Mais c'était vite. Q. Non, il en a pas. Il en a pas. Est-ce que ça ramasserait par terre? De la mûre. Est-ce que je peux... parce que ça, c'est de l'argent. C'est quoi ça que j'ai ramassé? Non, c'est de la pierre. L'argent, il est en allant vers le phare. Hein. Est-ce que les champignons pousseraient là? Je n'en sais rien. Alors là, c'est un mystère. On va tourner un petit peu. Je vois pas de champignons en tout cas. Hein. Si je trouve pas, dans la prochaine vidéo, si vous avez la soluce pour trouver les champignons, je prends, bien sûr. Bon, ça me semblerait logique de les cueillir par terre, hein, ici. Parce que chez moi, je ne pense pas avoir des champignons là. Ça. Ah, il me faut ce meilleur marteau. C'est ça qui mon kikine là. Non, non. Ben écoutez, hein, alors là, franchement, je suis coincée. On a un essaim d'abeilles là. Je vais faire piquer, mais tant pis. Non, je ne vais pas piquer. Ah, j'ai quoi? Par se balader là, je vois pas trop. Non, non, non. Mais écoutez, peut-être qu'au prochain épisode, on trouvera, parce qu'on trouve des fleurs, des choses comme ça, qui vont sûrement servir. Hein. C'est pas là au hasard.
On va regarder si la mamie, elle fait du commerce. Voilà, mamie du thé, la confiture d'orange et galette. Avec ça, je vais aller loin. Bon. Elle commence à être fatiguée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la faire dormir. Donc, je suis un petit peu bloquée avec l'amélioration de ce marteau et les champignons. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Donc, encore désolée pour le retard des let's play. Je vais essayer de rattraper tout ça comme je peux. Mais bon. C'est des Ok, oh, je crois que c'était des champignons. Ça doit être à fouiner hein, par là, je pense, à mon avis. Hein. C'est de la logique. Ou alors, j'ai plus de logique. Et là, je m'inquiète. Je veux bien que j'ai une mémoire de poisson rouge et un GPS nul dans la tête. Mais par contre, voilà quoi. Au niveau de la logique, ça fonctionne encore. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on la fasse dormir à l'hôtel. Là, il doit bien y avoir quelqu'un qui. Ou qui vend les champignons. On peut regarder elle, hein, mais. Il n'y a pas de page après. Elle. Non. Et la vendeuse de fruits et légumes, c'est elle, hein? Graines de poivron, betterave, carottes, maïs, laitue, oignons, patates, graines de blé, sucre, farine, riz, navets, aubergines, mûres, pignons et blé. Donc, il n'y a vraiment pas au marché de quoi faire les champignons. Donc, à voir dans le prochain épisode. Hein, on verra si on trouve la soluce. On va la faire dormir. Si on trouve la soluce pour les champignons. Voilà, sur ce en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, je vous en ferai un autre très prochainement. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez la solution pour faire le marteau amélioré, si vous avez la solution pour ou des astuces pour les champignons, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Vous pouvez me retrouver sur Twitch en live, bien sûr, comme d'habitude, vous avez le lien. Et sinon, bah écoutez, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Prenez soin de vous avec ce Covid-19. Et puis, gros, gros, gros bisous. Bye, bye.